Yo tout le monde, c'est Bizox, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans les amis. C'est une première sur la chaîne avec un jeu vidéo mobile. J'espère que vous avez kiffé. C'est parti. Alors les amis, voici mon village, ça fait plaisir. Ça fait je sais pas combien de temps que j'y joue, mais ça fait très longtemps. D'ailleurs, j'ai aussi un deuxième compte. On ira peut-être aller le check en fin de vidéo. Comme ça, je vais vous montrer aussi. D'ailleurs, on va faire les choses dans les temps correctement. D'abord, n'hésitez pas à rejoindre le clan. Ça fait plaisir. On est combien? On est 24. Voilà. Il reste encore 26 places pour tous ceux qui veulent. Nous, on n'est pas des rats. Troupes données, 760. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi, hein? Ah bah ça, c'est mon deuxième compte. Ah bah, deuxième compte n'est pas aussi un gros rat. Bon, après les autres, c'est pas grave. Je m'occupe de Halas tout le clan, ok? Qui a besoin d'un truc? Allez, toi, t'as besoin d'un truc. En même temps. Ah, mais c'est moi-même. Enfin, c'est mon deuxième compte. On t'a capté. C'est carré. Allez, on donne à tout le monde. On peut même donner avec des petits gemmes. Voilà, c'est pas grave. C'est pour le bien-être du clan. Bon, on va pas s'attarder sur donner des troupes aujourd'hui. Vous allez découvrir mon clan. Ça va faire un petit moment que je suis HDV11, mais il me reste quand même pas mal de petites choses à améliorer. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a énormément de remparts. J'ai regardé certaines vidéos de Lebouze, pour ceux qui connaissent. Il a commencé un village Clash of Clans. Dans ses commentaires, c'était marqué qu'il fallait faire un village avec des rambardes aussi. Alors, regardez, j'ai fait un peu ça. Et là, on voit tout ce qu'il faut, tout ce qui me reste en fait à améliorer. J'ai essayé de recoller le maximum de choses pour pouvoir me rendre compte de qu'est-ce qu'il faut améliorer. Là en ce moment je suis en train de tryhard les remparts, parce que les remparts ça coûte super cher pour ceux qui commencent à être assez dans des levels assez hauts. Mes ouvriers sont toujours au travail à ce que je vois, on leur donnera plus tard du travail. D'ailleurs on a commencé à y jouer aussi en live, donc c'est carré. Pour ceux qui veulent rejoindre le clan, c'est Bizox Family. Jusqu'à ce que la vidéo sorte, je laisse le clan HDV1 0 trophée. Donc rejoindre le clan, il n'y a pas d'excuse. Si vous voulez, lancez vite le jeu. Franchement, j'ai recommencé à y jouer. Je kiffe bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a aussi le village de la nuit. Mais on ira voir tout ça un peu plus tard. D'ailleurs, je suis au niveau 131. Intéressant. Très intéressant. D'ailleurs, c'est vrai que Kutsu, tout à l'heure, j'ai dit... Ouais, je suis seul à donner des troupes. Kutsu, il était au moins à 2000 troupes presque données. Sauf qu'il, sans faire exprès, il a quitté le clan pour aller voir un truc. Et bah au final, du coup, faut pas quitter le clan, sinon ça te remet à zéro tes troupes données, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, Kutsu, t'en fais pas, tu pourras rattraper. Ça, je le récupère pas trop, parce que je sais que plus tu laisses attendre, bah plus ça fait augmenter la cagnotte, on va dire, et donc c'est carré. Si vous voulez rejoindre le clan, n'hésitez pas, Bizox Family, de toute façon, il y aura le lien aussi en description. Et sinon, les raids, c'est juste ici, regardez. Là, c'est notre capitale. Notez la capitale dans les commentaires, mais je pense qu'en soi, elle commence à être pas mal du tout. Il nous reste 2000, alors on va mettre dans des trucs stratégiques. Les gars, surtout ceux qui rejoignent le clan, n'améliorez pas des trucs comme ça, là. Améliorez des trucs intelligents. Genre ça, là, on a pas mal de petites choses en plus. Là, on contribue. On est déjà à la moitié, ça fait plaisir. Mais genre tous les trucs où il n'y a pas forcément besoin, pas besoin de faire. Hein. On oublie. Là, il y a le camp des barbares, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup amélioré, celui-là. Et on vient de débloquer la vallée des sorciers aussi, avec la capitale niveau 3. Là aussi, il y a pas mal de petites choses. Donc c'est sympa. En plus, on commence à avoir les sorts de guérison. Donc c'est-à-dire que là, ce week-end, parce que évidemment, on est vendredi, demain c'est samedi, il y aura les raids. Les raids, c'est seulement, tout simplement, 2 jours d'attaque. Où on attaque... Ah bah... Oh, c'est dans 10 minutes! Oh les gars, on va faire au moins un raid en vidéo. En fait, c'est pendant le week-end, enfin même peut-être un petit peu avant, j'ai l'impression, où tu peux attaquer les villages ou les capitales des autres clans. Et ça, c'est trop stylé, je trouve. Avant d'attaquer le petit raid, comme ça, ça fait le watch time. Non, je rigole, c'était même pas calculé, mais il faut juste attendre 10 minutes. Donc, on va aller visiter le deuxième village, tout simplement. Il est beaucoup moins HL parce que j'ai commencé bien plus tard. Mais donc, voilà. Hop là, on prend déjà tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un petit... Ah non, on n'a pas d'ouvrier pour l'instant. Et donc voilà. Franchement, dites-moi lequel vous préférez. Même si je pense que vous allez préférer l'autre. Bon, je viens de passer HDV10 il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que du coup, il y a pas mal de choses à améliorer. Effectivement, c'est le cas. On va aller faire un petit tour sur juste ici. Allez, on va faire une petite attaque dans le village de la nuit. D'ailleurs, si j'ai pu redonner envie à des gens de rejouer à
à Clash of Clans, ouais. C'est pas mal. Là, moi, ma technique, c'est je le mets assez loin. Comme ça, il se rapproche. Et regardez, il y a déjà la moitié. Et il s'est même pas pris un dégât. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Moi, je pense que oui. Et là, maintenant qu'il a pris le focus de tout le monde. Ok, bon. Un peu agra, mais c'est pas grave. Oh non, il va se faire défoncer? Non, s'il vous plaît! Oh, let's go! Oh, dis-moi qu'il va pas mourir. Dis-moi qu'il va pas mourir. Oh, let's go, on spam, on spam. Désolé pour les écritures. Venez de voir. Oh, attends, mais on peut peut-être faire un bon. Non, on peut pas faire un bon truc. Ok. On prend déjà l'hôtel de ville. Ça, c'est carré. Peut-être un 2 étoiles. Même carrément, 2 étoiles, magnifique. Let's go. Ok, peut-être le canon. Le canon qui va nous poser problème, effectivement, juste ici. Ok, en tout cas, on détruit la Tesla. Ça fait 2 étoiles 56%. En soi, dites-moi si vous validez, mais moi je pense que ça va comme attaque. Et attends, lui il a fait quoi? Moi je pense que ça va. Ok, ah voilà. Bah voilà qui est fait en fait. Bon, il n'y a rien à améliorer pour l'instant. Rempart, allez, on améliore tous les remparts. Comme ça sera déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi en live sur YouTube et sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu à l'affût, j'ai commencé une nouvelle chose, c'est que je fais un live sur Twitch et YouTube en même temps. C'est assez stylé en soi, j'aime bien. Mais c'est plus difficile. Y a Kutsu qui vous dit wesh YouTube, ça dit quoi? Eh ben magnifique. Lui, je crois que c'est. Attends, c'est le plus fort du clan. Attendez. Pas dire de bêtises. Ah ouais. Maître 1, moi je suis maître 2. Après, il y a Adam, Bizox, mon deuxième compte, là où je suis. Et après, il y a Javone, mais ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Oh, dans 1 minute, les amis. Le compte à rebours, on va attendre gentiment. Attends, mais comment ça, il me reste encore 2100? Attends, mais c'était tout à l'heure ou c'est comment? Ah oui, c'était tout à l'heure. Allez, on remet. D'ailleurs, peut-être qu'avec cette vidéo, on va pouvoir finir la ruine. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je pense que j'aurai beaucoup coupé au montage pour pas que ça soit trop long. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir plus de game. Parce que franchement, là, ça va faire bientôt 30 minutes de record. Ça va piquer, hein. Là, n'hésitez pas à me dire si ça vous va que tous les samedis matin, on fasse les raids ensemble en live. Il y en a qui veulent faire les raids, comme ça on peut aussi les spec. Comme ça, bah ça peut permettre à des gens aussi de jouer. Et moi je les spec. Ça peut être pas mal aussi. Bon, allez, je crois que ça va partir dans 3, 2, 1. Je crois que Kutsu aussi va attendre pour les raids. Mais je crois que je vais prendre sa place en premier. Lancez le raid. Allez hop, la carte des raids, ça part. Donc les gars, ça se présente sous cette manière. Faut toujours attaquer le plus faible. Enfin, moi je sais ce que je fais, mais ça va être compliqué. Comment on va attaquer là? Là, j'ai l'impression que si on met des archères, ça passe. Moi j'avoue, d'habitude je mets full archère. Mais est-ce que c'est la strat à faire là maintenant sur ce village? Vous savez quoi mec? Je sais ce qu'on va faire. Voilà, on va faire archère géant. Pourquoi je peux pas attaquer? Mais votre armée de la capitale avant. Oh, modifier l'armée, en fait faut que je mette des sorts. J'ai pas compris. Attends, mais comment ça marche du coup? Former? Mais les gars, je comprends pas, ça marche comment? Sauvegarder. Attaquer. Mais pourquoi je peux pas attaquer? Terminez votre armée de la capitale avant d'attaquer. Mais quelle armée? Ah, je sais c'est quoi, regardez. Ah, mais en fait, j'ai compris. Fallait faire ça. Il fallait faire. Non, mais pas. J'ai appelé Kutsu. J'ai appelé Kutsu. On va bien voir s'il va me répondre. J'espère que oui. Ça se trouve, vous savez carrément comment faut que je fasse. Et vous, je tourne autour de la plaque. Mais mec, je sais même pas comment on concocte les sorts. Pas de problème. Ah oui, donc les gars, vous avez exactement 3 jours pour attaquer à partir de maintenant. Donc ça doit se finir lundi à la même heure. Et pourquoi je peux pas? Il me faut des sorts. Terminez votre armée dans la capitale avant d'attaquer. C'est quoi, on va regarder une vidéo YouTube, hein. Comment concocter des sorts dans la capitale Clash of Clans? DGM pour avancer rapidement. Donc 72 528 000 joyaux. Ça fait vraiment beaucoup. Et si à cela. Magnifique la vidéo, mes frères, c'était pas ce que je demandais en fait. One eternity later. Non, t'as juste à cliquer sur un autre truc pour. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non, c'est monstrueux, mec. Oh non. C'est honteux. Oh, c'est une masterclass. Oh non, franchement. Oh non, bah je dis à Kutsu que c'est bon, j'ai trouvé, mais mec, je savais. Oh non, 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 s'il vous plaît. Bon, on n'a rien vu, hein, ok? Y a pas de problème, tu vois. On est le matin. Oh, j'ai trop la haine. Ah, là, on peut attaquer, c'est bon, ouais. Oh non, bon bah désolé les gars,
Ça fait au moins, attendez, ça fait 10 minutes que je suis en train de chercher comment faire un... Mettre les sorts, hein, on n'a rien vu du tout. Moi, je vais mettre déjà ça pour casser les bâtiments juste ici. Moi, je pense qu'on va... Oh, attends, mais c'est quoi ce canon, là? Attends, je vais peut-être mettre ça, là. Et après, je vais balancer ça. Ok, on balance ça comme ça, ici. Là. On peut aller mettre le sort de... Attends, mais il a méga de vie, le canon, là. Oh non, mais en plus... Non, mais frère, le canon, c'est même plus un canon, là. Ok, le canon, il est ciao. Mais attends, là, il reste quand même beaucoup de choses. Hein. Un peu la sauce. Là. Là, j'avoue que c'était pas très stratégique de ma part. Mais... On peut quand même attaquer, c'est le principal. Je pense qu'on peut même détruire ce truc, là. Il y a peut-être moyen, en soi. Ah non, il aura pas cette vie. Oh, c'est quoi? Il y a une tour de sorcier. Ok, ça fait déjà 1000 joyaux, c'est déjà pas mal. Mais alors, comment on va attaquer maintenant pour la deuxième attaque? Je pense qu'il va falloir prendre plus de géants. Parce que là, franchement, ça risque d'être compliqué sinon. Est-ce qu'un full géant, ça peut être intelligent ou pas? Modifier l'armée, on va peut-être prendre... Regardez. J'attaque comme ça, j'avoue que j'attaque un peu à l'aveugle. Hein. Mais bon. Voilà, on va déjà faire ça. Là-bas, il y a la tour de sorcier, on va faire attention. Ok, en tout cas, il y a la tour de sorcier qui est détruite. Il reste plus que ça. En vrai, je pense que j'ai assez bien attaqué pour cette dernière attaque. Je pense qu'on va utiliser les mademoiselles pour ces deux trucs en dernier. Et je pense que c'est fini, là, l'attaque. À moins que j'ai oublié des trucs. Ah, je suis pas habitué à jouer avec la souris. Mais bon, on va s'habituer, je pense, au fur et à mesure. C'est carré, on a pris encore plus de joyaux. On a gagné une attaque, les gars, si vous attaquez et vous finissez à 100% sur un des trois, on va dire, une de ces trois choses, vous gagnez une attaque en plus. Voilà, et qui ne savait pas, je vous l'informe. Ok, maintenant, comment attaquer celui-ci? Je pense que ça va être plus compliqué. Je pense que, franchement, les géants, c'est une masterclass. Je viens de découvrir comme quoi c'était incroyable, les géants. Bon. J'ai peut-être attaquer par là, là. Je vais tout mettre là, je sais pas si ça peut détruire ici. J'espère que oui. Et invasion ici. Et je pense que on est pas mal. On va faire ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être enlever un... Comme ça. On peut quand même casser la barrière assez facilement. Voilà. Ok, ouais. Ça casse la barrière. Magnifique. J'avoue, là, j'ai tout mis. Moi, je suis obligé de mettre le sort de machin maintenant ici. Ok, attends. Il se passe quoi, là? Ok, ça se passe bien, j'ai l'impression. Oh, la tour! Qui a fait très mal à mes géants, j'ai un peu le seum, j'avoue. Ok, ça se passe... Attends, j'ai tout posé! Oh non, j'ai pas vu! Ok, un petit peu une erreur, je pense, de ma part. J'aimerais bien faire seulement deux attaques, comme ça. Ça me permet de faire pas trop d'attaques sur ces villages. Ok, attends. Le géant, il a clairement... Les géants, même, pardon, ils ont clairement plus de vie. Je pense que là, ça va commencer à être la zizanie. Ouais, là, c'est... Ça commence à être très meurtrière. Ok, peut-être pour détruire ce canon. Non, il n'y aura pas assez de mademoiselles, malheureusement. Peut-être attaquer dans l'autre sens ou faire la même strat. En tout cas, on a fait une belle attaque quand même. Je pense que c'était plutôt pas mal. Là, il va me falloir plus de... Peut-être plus... Là, ce que je suggère, c'est de mettre une seule archère ici. Hein, des archères ici. Ça, ça casse ça et ça. Et ensuite, je mets peut-être plusieurs géants ici. Et après, comme ça, ils prennent l'aggro. Et après, ils se débrouillent. On va attaquer comme ça. Modifier l'armée. On va juste virer ça et ça. On va prendre un géant en plus. Sauvegarder. Et je pense que là, il y a moyen de finir l'attaque si j'ai bien calculé. En tout cas, je savais pas. Le sort de guérison, il reste là. Donc ça, c'est franchement pas mal, je pense. Ok, ça casse. Peut-être. Oh oui, ça casse. Oh non. Il me reste 3 géants. Let's go, je crois que c'est une victoire normalement assurée pratiquement. On va casser ça là-bas. Let's go. Lui en plus il peut un peu se guérir. L'archère qui est en train de terminer le terminado le canon en plus. Oh ouais c'est plutôt... Oh bah attends il reste plus que le canon. Normalement c'est une victoire les amis. Et je pense que c'est stratégique de laisser les sorts de
de guérison, donc faut les placer à des bons endroits comme ça. Il y a d'autres personnes qui attaquent derrière vous, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas redit, mais je pense que vous avez peut-être pu observer que les attaques, on peut faire une attaque et quelqu'un attaque le même village juste après. Ça, je trouve que c'est magnifique. Ça, c'est carré dans l'axe. Alors, celui-là, on va attaquer intelligemment. Oh, je sais pas si c'est fait exprès, mais regarde, ils ont mis des barricades partout. J'avoue que c'est un peu bâtard. Et là, il y a des bons trucs. Niveau 2 aussi. Niveau 1, ok. Là, par contre, il y a un gros canon. Oh, ça va être dur de le réussir en peu d'attaque, celui-là. Moi, je suggère peut-être un peu moins de géants. Barbares. Il va falloir ça pour pouvoir détruire facilement. Et encore des archers. Ah. J'avoue que celui-là, je sais pas trop comment l'attaquer. Oh, let's go! Ok, ça a cassé là. Magnifique. Exactement. Parce que comme ça, on peut partir sur les côtés et nous laisser plus de place sur les côtés. Ok, ça a détruit toutes les bombes. Magnifique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le truc de la capitale. Il peut clairement nous éclater. Ok. J'avoue que j'aurais bien aimé faire le tour. Comme ça, je pouvais attaquer tout autour de la capitale. Malheureusement, ça ne pourra pas être le cas. Ok, on va essayer de détruire la... Ah. Non, je me trompe à chaque fois les boutons. Et là, il va recharger, je pense. Ok. Si déjà il me détruit tout ça, ce serait pas mal. Ok, let's go, je crois qu'on a débloqué un peu plus de terrain là. Ok, donc là ça a bien détruit. Ah ouais, là il va se faire défoncer. Ok, il s'est fait défoncer. Normalement il n'y aurait plus trop de trucs qui fait mal. Ah si, il y a encore celui-là. Là j'avoue, je l'aime pas trop. Ok, bon, elle s'éparpille maintenant. Comme ça on a l'occasion de toucher tout ce qui est autour. Comment ça il tire aussi loin le canon? Ils ont détruit les deux. Maintenant ils sont tous passés par là. Ok, bon, je pense qu'en soi, j'ai pas mal débloqué la zone. Toi, je sais pas, soit faut faire full géant. Je pense que c'est la strat. Full géant barbare. On va essayer ça peut-être. J'avoue que je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Là, on va imaginer qu'on met full géant là. Et après, ce qui est là, on le laissera. Parce que je suis sûr que je pourrais pas tout réussir en une seule attaque. Mais si au moins j'arrive à détruire ça, 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 et le canon. Et pourquoi pas le sommet de la capitale. Ou l'hôtel de capitale, là, ouais, le sommet de l'hôtel de capitale, pardon. Ça pourrait être franchement pas mal du tout. Là, est-ce que si je... Ok, donc limite, je peux envoyer un barbare là, il s'occupe de tout ça. Ok. Bon, les gars, c'est clairement de la stratégie de guerre. Hein. Ok, au moins, maintenant, il est détruit. Et maintenant, ils sont dans le... Ils y sont dedans. Ok, attends. Ok, ils sont pas encore tous morts, magnifique. Ok, ils vont pas au même endroit. Ok, le fait qu'ils aillent pas au même endroit, en plus, l'autre il déclenche la bombe. Donc, c'est carré. Et en plus, il a le sort de guérison. Ok, ils ont pas mal cassé en soi. J'aurais peut-être dû... Attends, ok, les barbares qui s'en occupent un petit peu partout. Je pense qu'on peut envoyer ça là-bas. Là-bas. Le canon qui a le focus. Ok, let's go. Ok, le barbare il se fait un peu tuer. Malheureusement, je pense qu'on pourra pas aider plus que ça. Oh non, c'était sûr qu'ils allaient pas aller sur le mortier là. Oh dommage. Au moins on a une étoile. Ah c'était, ouais. Ah, c'était pas ouf comme attaque. Mais bon, on a quand même pris encore 24%. Je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire comme attaque. Mais en soi, regardez ce qu'on a fait, 100%, 100%. 50%, franchement ça fait du 250%, effectivement on est pas mal. Alors là on peut peut-être finir. Oh, on finit en plus la structure, c'est magnifique. Peut-être la réintégrer à certains endroits, ça peut être stratégique. Alors ce qu'on va faire, d'ailleurs on le fera peut-être aussi en live, modifier le plan, parce que je sais pas, j'ai préféré me mettre d'accord avec pas mal de monde sur la stratégie de guerre, on va dire, avec des bombes aériennes. Désolé les gars si la vidéo est super longue, ça fait quand même 41 minutes que je rec. Mais bon, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus, hein. Ça fait plaisir. Et au pire, on verra tout ça en live pour rajouter des bonnes défenses. Je pense que ça, on peut le tège. On peut le mettre là. Et ça, on va le mettre là. Par là. En vrai, c'est mieux de le coller comme ça.
peut être défendu. Et au pire, les remparts, on va essayer de les remettre plus tard. On s'occupera en live demain, je vous en faites pas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai surkiffé, magnifique. Et ben on se dit à une prochaine fois en live ou en vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. On se dit à 10 pouces bleus, on fait une autre vidéo sur Clash of Clans. Ça régale. C'est parti, en tout cas passez de bonnes vacances, ça fait plaisir. C'était Bizox, salut tout le monde.